La ville Lumière est connue pour être la ville de l'amour. Si est ici que Miranda Dacker et son époux Evan Spiegel viennent de s'offrir une sublime maison qui en ferait rêver plus d'un. L'information a été révélée par le New York Post, qui affirme que le couple s'est acheté une demeure qui a coûté la jolie somme de 358 000 $, soit plus de 24 millions d'euros. Miranda Dacker et Evan Spiegel ont déboursé cette incroyable somme pour se procurer un sensationnel manoir qui se trouve en plein cœur de Paris, près de la Seine. La maison s'étend sur près de 1,000 mètres carrés, et possède un espace extérieur privé de 1,000 mètres carrés supplémentaires qui comporte un jardin. La demeure est composée de 6 chambres dont 2 avec dressing ainsi que 5 salles de bain. Elle comprend aussi une bibliothèque, une salle de musique, une cave à vin et une piscine dans la cour. Toujours selon les informations du journal, la demeure comporte aussi des quartiers séparés pour les nourrices, les chefs de cuisine ainsi que le personnel pour le ménage. Miranda Dacker et Evan Spiegel déjà en train de faire du shopping à Paris néanmoins, le couple va devoir patienter avant d'aménager car la maison doit subir une série de rénovations. Evan Spiegel a acheté la propriété en mai 2020 après avoir obtenu la nationalité française, en septembre 2018. Et pour cause, le fondateur de Snapchat âgé de 30 ans a toujours été un amoureux de la France et de sa culture. L'homme d'affaires et Miranda Dacker ont déjà été repérés en train de faire du shopping dans les rues parisiennes. Evan Spiegel et le top modèle australien de 37 ans se sont mariés en 2017 et sont les parents de 2 enfants, Art né en mai 2018 et Miles né en octobre 2019. Elle est aussi la maman de Flynn, né en janvier 2011, de sa relation avec Orlando Bloom.